Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur notre bonne. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez là sur abonner pour activer la cloche juste à côté pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons découvrir des choses qui vont nous aider, qui vont même nous sauver la vie. Après avoir regardé cette vidéo, vous n'allez plus écouter la musique comme avant. Vous n'allez plus regarder les clips vidéo là. Comme avant, mes frères et sœurs, comme d'habitude. Hey, mes frères et sœurs. Hey, mes frères et sœurs. Il faut que vous sachiez ces choses aujourd'hui. Des choses qui étaient cachées dans le monde des ténèbres deviennent aujourd'hui. Ou encore se révèlent aujourd'hui. Sont révélées aujourd'hui, tout simplement. Waouh. Waouh. Avant d'écouter une musique, là, il faut d'abord savoir quelle est l'origine de cette chanson. Celui qui chante là. Il chante pour qui? Pourquoi il chante cette chanson? Et qui il adore? Vous savez que quand quelqu'un se lève le matin et qu'il chante là, quelle que soit la chanson qu'il chante, il chante pour soit Dieu, soit Satan. Il n'y a pas un troisième personnage. Ne pense pas que quand tu chantes là, tu chantes pour révéler des choses qui se passent dans la société. C'est bien. Il ne faut pas qu'on vous mente aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on vous mente. On va vous dire la vérité. On va vous dire la vérité aujourd'hui. Quand tu te lèves, que tu chantes là, tu as dit que la chanson là, ça parle de la vie. Qu'une telle personne chante une chanson d'amour pour sa copine ou pour son copain, machin. Ok. Détrompez-vous. Et ces témoignages même vont tous nous réveiller les yeux aujourd'hui. Hey! Soyez prêts. Soyez prêts les amis. On saute un peu. Soyez un peu relax. On saute. Bougez un peu les gars. Hey! Bougez un peu! Un vrai chrétien, il est toujours chaud. C'est parti. Bien. Hey! Ce témoignage, c'est le témoignage d'un ex-sataniste. Témoignage, mais c'est toujours chiant, je vous demande. Fouillez un peu, vous allez trouver. Voici ce que cet sataniste-là a dit. Il dit qu'il y a certains musiciens qui ont signé des pactes avec le diable pour la gloire. Et le diable lui-même, parfois, leur donne l'inspiration. C'est-à-dire la source d'inspiration même vient du diable. C'est-à-dire que... ils arrivent comme ça dans le monde. Et... Beaucoup d'entre eux, ils arrivent là, ils participent même dans un renom occulte, hein. C'est-à-dire immédiatement ils deviennent des sorciers. Exactly. Des sorciers qui chantent, qui brillent, qui sont même des superstars. On appelle des satanistes, bien évidemment. Dans le monde des ténèbres, certains avalent des serpents à deux têtes. Des serpents à deux têtes. Et quand vous allez les voir chanter là, vous allez dire qu'ils chantent bien. Parce que sous la voix là, il y a deux autres voix. Ce sont la voix même des démons qui chantent avec eux. Mais comment vous allez savoir ça? Comment vous allez savoir ça? Il y a des signes. Il y a même des signes qui ne tombent jamais. Et aujourd'hui, il y a plein de messages cachés dans les clips. Ça peut vous aider à comprendre, mais beaucoup de personnes pensent que c'est de la blague, c'est de la rigolade. Parce que ça l'est simple. Les gens pensent que, bon, c'est simple, c'est rien. Il n'y a pas de problème là. Mais nous allons vous dire aujourd'hui, quel est le problème ici? Mes frères et sœurs, soyez prêts. Le témoignage qui va venir maintenant. Le témoignage va venir maintenant. Le témoin va descendre. Voici qu'un sataniste pour le succès. Il s'est uni à qui? À une sirène. Lui, c'est un homme qui n'est pas beau. Il n'est pas attirant. Alors que vous savez que dans le monde là, il faut être attirant. Il faut être beau, il faut séduire les femmes, il faut séduire tout le monde par sa beauté, toutes ces choses. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va décider de s'unir à la sirène et la sirène va décider de faire quoi? De lui donner une apparence très belle, une belle apparence, de le laver en fait, de le restaurer, de faire en sorte qu'il devienne attirant. Vous savez ce qui va se passer? Je vais vous le dire. Elle va cracher sur lui, elle va prendre sa main là pour nettoyer son visage, nettoyer tout son corps. En plus, elle va coucher avec lui, il aura des rapports sexuels avec cette femme. Après ça, il devra aller coucher avec un cadavre à la morgue.
il doit faire ça chaque mois ou même chaque semaine. Il doit faire ça pour qu'il garde sa puissance. Il doit faire encore certaines pratiques. Il doit aller dans une chambre secrète. Arrivé dans cette chambre secrète, il va être décomposé. C'est-à-dire il va dormir dans un cercueil. Et dans ce cercueil-là, il va décomposer. C'est mystérieux, c'est mystique, toutes ces choses. C'est ce qu'ils font. Il sera décomposé dans ce cercueil. Et pendant les 3 jours-là, où il sera dans un autre monde, dans le monde-là, ils vont lui donner quoi? Les paroles de sa chanson. Hey! Les paroles de sa chanson. Le diable lui-même va lui donner les paroles de sa chanson. C'est-à-dire les paroles qu'il doit vous chanter. C'est-à-dire ce qu'il doit chanter là, dans sa chanson. Là. Même les mélodies. Là. C'est le diable lui-même qui va lui donner ses paroles. Et quand il a fini ça, pour le reste là, pour le reste des choses là, c'est-à-dire pour le restant là, les éléments qui doivent suivre là, vous savez c'est quoi? C'est maintenant ajouter la femme à la musique. Voilà. Donc, tu vas le voir qui? Sa sirène maintenant. Donc ici, l'homme là, il représente qui? L'homme qui est qui là? C'est Satan. Et la femme qui va maintenant écrire, ajouter les paroles à côté là, ça sera qui? Ça sera la sirène. Satan a ajouté les premières paroles. La sirène maintenant va ajouter pour elle, pour que ça fasse une harmonie, où ça crée une histoire de un homme qui chante ou une femme qui chante. Oh, ya. Hey! Et toi, et nous allons écouter de ces chansons et nous allons tous nous mettre à chanter aussi la même chanson sans savoir que cette chanson là est accompagnée par l'esprit de Satan et l'esprit d'un démon qui est la sirène. Et quand vous allez voir, cet homme sera en train de chanter là. Vous allez voir qu'il est en train de chanter pour une femme. Les gens m'ont dit que ce monsieur-là, il aime les femmes. Il chante pour les femmes. Franchement, il soutient les femmes. C'est quelqu'un de bien. Elles ne savent pas. Il ne chante pas pour les femmes. Hein. Il est en train de chanter pour la sirène, pour un démon. Et c'est elle qui a composé la chanson avec le diable. Mes frères et sœurs, est-ce que vous savez toutes ces choses? Dites-le-moi. Savez-vous toutes ces choses? Assurément! Mais vous avez pensé que c'est de la blague. Aujourd'hui, il y a une bonne année pour vous confirmer ces choses, afin d'attirer, vous réveiller sur la chaîne. Ça veut dire que la musique qu'on écoute là, cette musique est faite pour faire quoi? Adorer. Pour louer. C'est pourquoi je vous ai dit que quelle que soit l'origine de la chanson, c'est-à-dire quelle que soit la chanson que vous chantez, sachez que vous êtes soit en train d'adorer Dieu, soit en train d'adorer Satan lui-même. C'est comme ça. Parce que c'est orienté vers lui. Orienté directement vers le diable. Le diable lui-même est en train d'être heureux. Et il est dans ce monde là-bas, il dit, oh, les gens m'adorent sur la terre, les gens m'adorent, les gens aiment m'adorer. Quand vous adorez Satan là, que voulez-vous qu'il y ait dans votre vie? Que doit-il se passer dans votre vie maintenant? Au fur et à mesure que vous chantez cette chanson, au fur et à mesure que vous louez le diable, au fur et à mesure, vous attirez qui? Des démons dans votre maison, dans votre vie. Et ces démons vont se mettre à opérer dans votre vie. Et vous allez voir hein, qu'ils vont vous dire qu'il y a plein de personnes qui sont possédées sans le savoir. Ils vont vous dire qu'il y a plein de personnes qui sont possédées sans s'en rendre compte, sans le savoir. Comment c'est fait? C'est par rapport à la musique. Il y a une puissance à la musique. Soit vous adorez Dieu, soit vous adorez le diable, malheureusement. Il n'y a pas une troisième personne. Ce n'est pas une histoire où on va se faire plaisir. Ce n'est pas une histoire où on va faire le show. Non. C'est une louange et une adoration. Maintenant, nous allons établir ici une comparaison. Vous-même là, vous allez trouver. C'est parti. À l'église là, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, à l'église là, quand on loue Dieu là, quand on chante là, qu'est-ce que les gens font? Ils dansent. Maintenant, dites-moi, en concert là,
Quand l'artiste voit la célébrité en train de chanter là, qu'est-ce qu'on fait en général? Là-bas aussi là, on danse. Où est la différence? C'est la même chose. Ok. Deuxième niveau. À l'église, à un moment donné, quand la chanson devient intéressante là, qu'est-ce qu'on fait? On lève les mains vers le ciel. C'est-à-dire, on lève les mains. Maintenant, au concert là, dites-moi, qu'est-ce qu'on fait là-bas aussi? Quand la musique devient bonne, il arrive qu'on lève les mains. Parfois même, il faut de ces signes avec les mains. De ces signes. Vous pensez que c'est quoi? Vous allez voir beaucoup de triangles partout et les gens, vous-même, les païens, même ceux qui ne connaissent pas Dieu là, ils vont maintenant vous dire que ces symboles-là viennent de l'Égypte. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de symboles de l'Égypte. Vous allez comprendre aujourd'hui qu'il y a une adoration que vous et qui est livrée à Satan directement. Et quand vous êtes à l'église, et quand vous êtes dans la boîte de nuit, plutôt dans le concert, qu'est-ce que vous recevez? Vous recevez une bénédiction quand vous êtes à l'église. Mais quand vous êtes dans un endroit où on peut parler de Dieu, dans une musique où on adore Satan, qu'est-ce que vous allez recevoir? Le contraire de la bénédiction, c'est quoi? Vous-même, dites-le moi. La malédiction va descendre. Et vous allez voir que dans le concert là, où on parle de concert là, les gens tombent. Ils tombent de partout. Certains tombent en transe. D'autres, certains même meurent. Vous n'avez jamais vu des gens qui ont des concerts où les gens sont morts? Vous pensez c'est quoi? Souvent là, dans la musique de ces genres de personnes, quand vous écoutez là, vous savez ce qui se passe? Il prononce une incantation, c'est-à-dire des cris. C'est-à-dire vous écoutez la musique à un moment là, il dit une parole que vous ne comprenez pas. Et il vous incite à répéter la même parole. La parole qu'il répète, il a été de dire là, il a été de vous permettre de, il a été de répéter et vous demande de répéter là, c'est une incantation. C'est une incantation. Et parfois, quand on fait, on retourne cette chanson à l'envers, on trouve Satan dedans. Ou même souvent, même maintenant là, il ne se cache plus. Il met tout simplement Satan dedans. Tu vois, quand il chante, elle dit, Luz, elle dit quoi? Quelle est la chanson là-même? J'ai perdu mon âme au diable. Ah ben lui, tout peut s'arranger. Oh! Tu vas voir une autre personne qui va dire, viens Satan, viens, on va danser. Tous ceux qui vont chanter la chanson et qui vont dire, viens Satan, seront en train de faire l'invocation du diable directement. Le diable va venir chez eux. Venir, c'est quoi? C'est appeler. Tu appelles qui? Satan. Satan, c'est une bonne personne. Satan, c'est le mal, la malédiction. Et c'est la malédiction qui appelle sur ta vie au travers de quoi? De cette chanson que tu chantes. Tu disais que la musique aussi t'a fait quoi? Pourquoi on parle de la musique ici? Mes frères et sœurs, Nyons Ribon est né pour sauver des vies. Et ça a déjà commencé. Toutes ces choses, nous étions tous ces choses. Si je n'avais pas écouté la musique du monde, je ne serais pas en train de bien vous parler de cela comme ça. C'est parce que nous avons au moins une fois entendu cette musique. En général, quand tu écoutes cette musique, ça ne t'apporte rien. Ça ne t'apporte pas quelque chose qui va vraiment t'aider, si on peut le dire ainsi. C'est juste pour s'amuser, c'est juste pour rigoler, c'est juste pour le plaisir, c'est tout. Est-ce que vous voyez un peu ce que ça fait? Mais quand vous arrivez à l'église et que vous chantez une louange à Dieu, vous sentez que votre âme vit. Et vous sentez également une différence entre les deux. Essayez. Écoutez. Essayez. Essayez. Et on va voir. Essayez. Mes frères et sœurs, c'est grave. C'est grave. Il fallait que quelqu'un vous dise ces choses. Afin que vous puissiez vous attacher à la parole de Dieu comme il se doit. Évitez vraiment. Cherchez d'abord. Écoutez, hein, quelqu'un m'a dit que peut-être qu'on raconte des histoires. Cherchez Seigneur Sourbonne. Faites ce témoignage en question sur la musique. Vous saurez tout. Même en détail. De toutes ces choses. Dieu sera lui-même là, vous parlez encore. Mais si ce que nous venons de vous dire, je pense que pour celui qui veut changer, qui doit être touché, il est déjà touché. Il va dire en bas même, Dieu, franchement, je suis touché, je laisse un chêne. Ces choses sont bien réelles. Et plein d'âmes sont tentées de mourir et se retrouver à l'enfer.
Et vous savez ce qui se passe? Toutes ces personnes qui sont des artistes célèbres, là, qui ont vendu leur âme au diable, qui meurent là. Ils ont déjà signé un pacte avec le diable, ils savent que quand ils vont mourir, voilà l'enfer. Eux le savent. Quand ils arrivent à l'enfer, ils sont torturés. Torturés. Nuit et jour. Et là-bas, vous savez ce qu'ils doivent faire? Ce que tu fais sur la terre là, c'est ce que tu continueras à faire. Si tu loues Dieu, tu vas toujours louer Dieu après ta mort. Mais si tu loues le diable, tu vas louer le diable après ta mort aussi. Ils seront en train de chanter là-bas. Tu vas le voir, vous allez voir les statues, ils sont en train de chanter ou dans le feu, sans cesse, non-stop. Ils ne doivent pas s'arrêter. Ils ne doivent que chanter seulement. Ils chantent et 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 ils chantent. Dans le feu! Merci de m'avoir appelé. Ils chantent dans le feu. Et pendant qu'ils sont en train de chanter là, si dans le monde, ici sur la terre, quelqu'un est en train de chanter la musique que elle, cet artiste-là, cette personne-là, si la musique qu'il a chantée sur la terre, là, la musique qu'il a créée là, si quelqu'un est en train de chanter cette musique sur la terre, sa sanction, c'est-à-dire sa correction sera élevée là-bas. C'est-à-dire au même moment que la personne a été chantée là-bas, le feu là-bas sur lui là, s'augmente et sa souffrance augmente. Vous allez voir que quand quelqu'un sera en visite à l'enfer, là, qu'elle va raconter cet artiste, cet artiste va dire à la personne que s'il te plaît, il faut dire aux humains de ne pas chanter ma chanson, de ne pas chanter ma musique, de ne pas chanter ma musique. Non seulement quand je chante cette chanson, ils me suivent, ils viennent vers moi, ils suivent mon chemin, ils viennent à l'enfer. Et deuxièmement, quand ils chantent ça, je suis torturé sérieusement ici, ma souffrance augmente. Plein de témoignages comme ça sont là. Même la vidéo populaire de Ignace Reborn témoigne de ces choses. Jetez un coup d'œil. Rentrez en contact de la parole de Dieu. Cherchez la vérité aujourd'hui sur la musique que vous écoutez, sur tout ce qui vous entoure. Et vous allez trouver que il est préférable d'avoir Jésus-Christ dans sa vie, d'avoir Dieu dans sa vie. Je préfère avoir Jésus-Christ dans ma vie que de marcher sans direction, sans orientation. Et c'est Jésus. Et c'est Jésus-Christ aujourd'hui. Il va te sauver. Comment être délivré de la musique et de l'influence de toutes ces choses? C'est facile. Très facile. Est-ce que c'est dur? C'est facile. Peut-être que quelqu'un va dire que c'est dur quand il aime la musique. C'est ça. Si tu aimes la musique, ça sera difficile. Mais si tu commences déjà à détester ces choses, tu vas comprendre. Pour être délivré de ce genre de choses ou de ce sort, de ces envoûtements ou de ces malédictions, il faut d'abord accepter le Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, invoquez le sang du Seigneur Jésus-Christ sur vous pour vous protéger. Deuxièmement, vous devez maintenant vous poser des actions. Vous devez poser des actions. Il faut vous libérer. Ça veut dire, vous devez maintenant vous débarrasser de tout ce qui n'est pas de Dieu autour de vous. De telle musique ne doit pas être trouvée chez vous dans votre maison. Séparez-vous de vous. C'est la seule condition, c'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Si le diable vient chez vous et qu'il trouve le péché en vous, il va entrer dans votre maison. C'est la même chose. Ça sera comme l'attraction. Voilà, comme un aimant. Et vous devez, pour terminer, vous mettre à louer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Quand vous allez commencer à louer Dieu, là, les démons de la musique qui sont entrés en vous inconsciemment vont vous libérer. Voici comment vous serez totalement libéré de la musique de ce monde. Et quand vous serez libéré là, que vous allez revenir pour regarder encore cette musique là, ah, si vous ne faites pas attention, vous risquez d'entrer dans la chose facilement, hein, parce qu'un ancien feu s'allume vite. Mais si vous avez Jésus-Christ et que vous persévérez, que vous grandissez dans ce chemin, à un moment venu, ça va vous dégoûter et vous-même vous allez alarmer vos frères et sœurs et leur dire qu'il y a un danger dans la musique aujourd'hui, il faut les éviter. Si cette vidéo vous a aimé, vous a touché, partagez cette vidéo à tout le monde. Tous vos frères, tous vos amis, laissez un j'aime, vous faites savoir combien de fois vous avez été touché. Abonnez-vous en dessous de cette vidéo, activez la cloche et ne manquez pas la prochaine vidéo qui va sans doute vous être d'une grande utilité. A bientôt sur Ignace Reborn pour la prochaine vidéo qui va sans doute nous étonner, nous surprendre. Que Jésus vous garde et que vous protège. A bientôt. Ignace Reborn.